J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez! Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y'a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigoto, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. L'histoire des vacances en camping de Joey. Et... Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lucie. Bonsoir Lucie. Ah, bonsoir. Qui êtes-vous? Devine. Votre queue ressemble à celle d'un castor. Vous devez être un castor alors. Faux. Vos pieds ressemblent à des nageoires. Vous ne seriez pas un phoque? Faux. Et ce bec? Vous êtes un canard, non? Je suis pas un canard. Je suis un ornithorynque et je viens d'Australie. Monsieur Platypus est venu te raconter une histoire. Oh, génial! Une histoire d'ornithorynque! En fait, je voulais te raconter une histoire de kangourou. Oh. Ça parle de Joey le kangourou. C'est une très bonne histoire. Bon, d'accord. Joey le kangourou et ses meilleurs amis Jimmy et Julia voulaient aller camper dans les collines Goula Goula. Mais la maman de Joey n'était pas d'accord. Tu es encore bien jeune, Joey. Peut-être l'an prochain. Mais maman, tous les autres enfants y vont. Monsieur Platypus sera là pour tout organiser, pour veiller sur nous tous. Monsieur Platypus? Oui, il sera là tout le temps. Bon, c'est d'accord. Super, merci maman. Joey était si excité qu'il eut du mal à s'endormir cette nuit-là. Et n'oublie pas de bien te couvrir la nuit. D'accord. Et n'oublie pas de bien te laver derrière les oreilles. Promis. Oh, et Joey? Oui, maman. Tiens-toi droit, chérie. Le campement était assez éloigné, mais c'était une belle journée pour marcher. Où est Joey? Joey aurait aimé que sa maman ait mis moins de choses dans son sac. Allez, viens, sinon on va être en retard. Hé, les amis, je connais un raccourci. Fut, 20 ans, quelqu'un marchait derrière nous. On a été suivis. Et si c'était le monstre du grand rocher rouge? Coucou les enfants, bonjour fiston. J'ai oublié de te dire de mettre ton chapeau pour te protéger du soleil de midi. Mais madame kangourou, on n'est que le matin. Il n'est jamais trop tôt pour porter un chapeau. Maintenant, bisous à maman. Au revoir. Il n'est jamais trop tôt pour porter un chapeau. Joey, Jimmy et Julia arrivèrent au campement des collines Goula Goula. Bonjour les enfants, vous avez faim? Oh oui! Waouh! Oh,
c'est amusant de faire la cuisine. Je n'ai jamais mangé de ragoût d'eucalyptus. Bien, les enfants. Bon appétit. Attention, Joey. Maman. Tu sais bien qu'il ne faut pas manger n'importe quoi avec un estomac sensible comme le tien. Il est délicat, Fudbury. Je t'ai mitonné un bon petit plat. Oh, le voilà. C'est ton préféré. Merci, maman. Et moi qui pensais que vous feriez plus attention, Monsieur Platypus. Mais... Mon Joey a besoin d'être surveillé. Maintenant, mange ton sandwich, mon chéri, et fais un bisou à maman. Au revoir. Jimmy et Julia commencèrent à taquiner Joey à propos de sa maman. Tu crois que ta maman te laisse faire escalader sur vos chiens, Joey? D'accord. Attention tout le monde. Le but du jeu est de traverser la rivière. Ouais, on va nager. Non, on ne va pas nager. Non, nous allons traverser la rivière en nous balançant sur ces lianes. Je serai de ce côté, tout prêt à vous aider. Allez, Julia, tu passes en premier. Jimmy, à toi. Ouais, youhou. C'était maintenant au tour de Joey. Il venait juste de saisir la liane quand tout d'un coup... Joey, ne t'approche pas de cette rivière. Madame Kangourou, qu'est-ce qui se passe? L'eau de la rivière est glaciale. Mais la rivière n'est pas profonde. Et si mon Joey se reçoit mal et se foule la cheville? Tout ira bien, maman. Plus de jeux stupides, Joey, ou tu rentres à la maison. Bisous. Au revoir. C'était la première nuit que Joey est passé en dehors de la maison. On va lui faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Fuyons. Bonsoir. Je faisais juste un saut pour donner à Joey son koala en peluche. Il n'aime pas dormir sans lui. Je sais que vous pensez bien faire, Madame Kangourou. Mais Joey est un grand garçon maintenant. Je pense que vous devriez lui donner une chance de profiter de son voyage tout seul. Je suppose que j'en ai un peu trop fait. Je vous en prie, Monsieur Platypus, ayez un œil sur lui. Oui, Madame Kangourou, je garderai un œil sur Joey. Sois prudent, Jimmy. Et hop, mais j'ai pas fil. Et hop là. Reviens, Jimmy. Reste calme, Jimmy. On va te sortir de là. Il faudrait que quelqu'un attrape Jimmy avec une liane. J'y vais. Toi, Joey. Hop là. Ce n'était rien, à part... À part quoi?
À part que j'aurais aimé que ma mère soit présente pour voir ça. Ce que Joey ne savait pas, c'était que sa mère avait tout vu. Et elle était très fière de son fils. C'était une belle histoire, monsieur Platypus. J'aimerais bien faire du camping un jour. Mais maintenant, il est temps d'aller au lit. Oh oui. Oh. Revenez vite nous voir. Bien sûr. Bonne nuit, Lucie. Bonne nuit. Fête de bon rêve.